Monsieur le juge, je proteste. Déjà. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Je ne répondrai pas à vos questions. Mais je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai posé une question? Je suis malade, vous savez. Je ne viendrai pas longtemps dans cette prison. Ah, ça, non, pas longtemps. Je ne vous imaginais pas comme ça. Et comment, avec des plumes sur la tête? Avec la bouche à la place du nez, comment? Ah, je suis malade et vous en profitez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Sicile, à Palerme, depuis 2 mois? Du tourisme? Du tourisme, j'ai passé l'âge de faire du tourisme. Non, je vais à l'essentiel, l'indispensable. Très peu de choses sont indispensables, vous verrez. Plutôt non, vous ne verrez pas. Vous êtes un esprit sec, je l'ai vu dès que vous êtes entré dans cette pièce. Vous êtes un infirme du cœur. Nous ne sommes pas du même monde, monsieur le juge. C'est quoi votre monde? Le jeu? La prostitution? La drogue? La drogue. Quelle abomination. Je suis médecin, n'oubliez pas. Vous avez abandonné votre cabinet. Vous êtes rayé de l'ordre. Je suis médecin, pédiatre, médecin des enfants. Je suis gardien de la vie des enfants et vous osez me parler de drogue? Arrêtez vos simagrées, docteur. Pour qui me prenez-vous? Médecin? Vous, médecin? Vous êtes un assassin. Vous avez couvert Marseille de laboratoire. Vous venez faire pareil en Sicile. Vous travaillez avec l'argent de la mafia. Avec l'argent du crime. Je proteste, vous pouvez... Asseyez-vous, je n'ai pas fini. Je vous en prie. Protesterai en bloc. Depuis 3 ans, vous avez raffiné au moins 150 kilos d'héroïne. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire des millions de doses. Ça veut dire des centaines de milliers d'intoxiqués. Des familles détruites. Des existences gâchées. Des jeunes qui crèvent, ou pire que ça. Docteur, vous, docteur, je vais vous inculper. On vous jugera en France, à Marseille, et vous en prendrez pour 20 ans. Je m'en charge. Vous ne pouvez rien prouver, vous n'avez aucune preuve. Des preuves. Des preuves. Tenez. En voilà les preuves. C'est bien vous sur les photos. Je vous parle, docteur. Oui, peut-être, je sais pas. Et le type qui est à côté de vous, qui est-ce? Un client, peut-être. J'ai soigné ses enfants. J'en ai tellement vu, vous savez. C'est ça, un client. Louis Agopian, le meilleur chimiste de Marseille. Condamné en 71 et libéré en 76 pour raison médicale. Agopian. L'héroïne pure à 95%. Le chimiste de la French Connection. C'est lui qui vous a appris le métier. C'est lui qui vous remplace à Marseille pendant que vous montez les laboratoires siciliens. Je vous parle, docteur. Mais je vous entends, monsieur le juge. Qui tire les fils? Qui paye? Je vous ai posé une question, docteur. Qui paye? Qui est le patron de la drogue à Marseille? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Roca? C'est Antoine Roca? Vous allez parler, docteur. Je vous garantis que vous allez parler. Vous essayez de taper moi-dessus pendant que vous y êtes. Allez-y, cognez! Je m'appuie que vous êtes là, les voir! Si je parle! Vous êtes un flic! Vous m'en êtes! J'avais une tête de flic! Je mets tête de flic! Portate, Michel, la porte! Vous tuez le flic! Je vous crache dessus, monsieur le juge! Avance, finis! Petit flic, grand-dame, ouais! Ah, flic,